Et enfin, la dernière question, c'était de déterminer l'ensemble E à partir de tout ce qu'on avait, toutes les questions qu'on avait résolues auparavant. Alors nous, on vient de montrer que si M est différent du point O, hein, c'est l'hypothèse, c'est que si M est différent du point O, à ce moment-là, M, il appartient à E, si et seulement si le θ, l'argument de Z, vaut pi sur 12 plus kπ. Du coup, on peut dire que le point M appartient à E si et seulement si, soit on a ça, c'est-à-dire soit le M est différent du point O, et à ce moment-là, le θ vaut pi sur 12 plus kπ, d'accord, avec k qui appartient à Z, ou, hein, soit, ou M égale le point O, puisque dans la première question, on avait montré à un moment que le point O et le point B appartenaient à grand E. Le point B, il est contenu là-dedans, puisque on rappelle que ZB, c'était égal à racine de 2 plus racine de 6 exponentielle i pi sur 12. D'accord? Donc c'est-à-dire que le θ de B, c'est pi sur 12, son argument, c'est-à-dire que le B est bien contenu là-dedans. D'accord? Par contre, le O n'est pas contenu là-dedans, parce que le point O n'est pas contenu dans cet ensemble, puisque le O n'a pas vraiment d'argument. Donc on ne peut pas vraiment dire que son argument vaut pi sur 12 plus kπ. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est là la petite astuce. C'est que si l'argument vaut pi sur 12 plus kπ, il faut faire un petit dessin. D'accord? Si on trace la droite d'équation, donc la droite, d'accord, qui passe par l'origine, et qui fait un angle de pi sur 12 avec l'axe des abscisses. À ce moment-là, si on prend n'importe quel point M sur cette partie-là, d'accord, si on prend un point M ici par exemple, et bien son θ vaut bien pi sur 12. D'accord? Puisque ici, par définition, hein, c'est la droite qui fait un angle de pi sur 12. Donc cette partie-là, ici, est bien contenue là-dedans. Réciproquement, la partie qui est ici, l'autre partie, elle est bien aussi contenue là-dedans, puisque ici, l'angle, hop, c'est pi sur 12 plus pi. D'accord? Parce que c'est plus un demi-tour, donc plus pi, d'accord? Qui est bien aussi contenu là-dedans, puisque on a dit c'est plus kπ avec le k qui appartient à z. Si on prend k égale 1, on a bien ici cette partie de droite-là, cette demi-droite-là, qui est bien aussi contenue là-dedans. D'accord? Et si en plus on rajoute le point O qui est ici, hein, qui rejoint les deux, à ce moment-là, du coup, tout ça, d'accord, c'est toute la droite ici, hein, qui fait un angle de pi sur 12 avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc, tout ça, c'est-à-dire l'ensemble des points M différent du point O tel que le θ vaut pi sur 12 plus kπ, c'est toute la droite avec ici le point O en plus, donc on a bien toute la droite, d'accord? Or, cette droite, hein, on peut dire que c'est la droite qui fait un angle de pi sur 12 avec l'origine, mais on peut se rappeler aussi, comme on a vu, que le ZB, hein, son argument c'était pi sur 12, puisque c'était égal à racine de 2 plus racine de 6, exponentielle i pi sur 12. Donc le racine de 2 plus racine de 6, on ne sait pas combien ça vaut, mais c'est pas grave, on sait que le point B, par exemple, il est ici. Il est forcément sur la droite, puisque son argument vaut pi sur 12. Du coup, la droite ici, hein, ici on a le point O, donc la droite qui fait un angle de pi sur 12 avec l'axe des abscisses, et bien c'est la droite OB, tout simplement. Donc en fait, tout ça, tout ce qui est ici, hein, ça c'est la droite OB. Tout simplement. D'accord? Et donc on en déduit que finalement l'ensemble E c'est égal à la droite OB qui par définition est la droite qui fait un angle de pi sur 12 avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc ici il s'agit juste de faire une synthèse des questions précédentes. Hein. On a vu que pour que M appartienne à E, s'il est différent du point O, à ce moment-là il vaut pi sur 12 plus kπ. Ça c'était la question juste avant. Et la première question, c'est de montrer que le point O et le point E appartiennent au point O et le point B, pardon, appartiennent aussi à l'ensemble E. Bon, alors ici on voit que le point B, hein, il était bien contenu là-dedans, parce que son argument vaut pi sur 12, d'accord? Par contre, le point O n'était pas forcément dedans, donc du coup on le rajoute. Voilà. Et après, avec un schéma, eh ben, on comprend que finalement cet ensemble décrit ici, c'est la droite qui fait un angle de pi sur 12 et qui est par définition la droite OB, puisqu'il y a les points O et le point B qui appartiennent à cette droite. Voilà.
Alors ici, il fallait bien faire attention que c'était plus capi. Et comme c'est plus capi, on a bien aussi de la demi-droite qui est ici. Parce que si c'était plus 2 capi, à ce moment-là, il y aurait eu seulement la droite ici. Hein, parce que ici, là, cette portion de droite ici, on a vu que c'était pi sur 12 plus pi. D'accord? Donc si ici on avait pi sur 12 plus 2 capi, eh ben, on n'aurait jamais eu ce pi sur 12 plus pi. Voilà. Donc ça, c'était le petit piège à voir. Enfin, ici, il n'y en avait pas, puisque du coup, on avait bien la demi-droite, mais si on avait plus de capi, et bien, du coup, on n'aurait pas eu la demi-droite qui est ici, on aurait juste eu cette demi-droite-là. Donc après, une fois qu'on a trouvé que c'est la droite OB, hein, c'est facile, mais le plus dur, c'est de trouver d'abord que c'est la droite OB, et au début, d'abord, de convertir le fait que M appartient à E sous forme d'une expression de ce type-là.